Malgré le moment là, il y a un paquet de gros autobré, un paquet de gros torien dans la République qui a fait tout ça qu'on est, qui a manigancé ses plans pour infiltrer le mouvement Boakalia pour craser. Eh bien, il y a une population dans quelques zones, particulièrement dans le Sodo, nous parlons pas là, dans ce moment là, qui décide de filer manchette, qui décide de filer couteau, Boakalia. Li pap kampe. Nou pral ba ou détail nan yon ti moment. Gwè skandal pété nan diplomasi ayisyen nan. Kote information ki rive jwenn nou bonan matin et selon sa Emancipation FM rapporté, genyen ansyen DG la police et actuel ambassadeur ayisyen nan OEA m ap pale nou de Léon Charles ki nan mitan yon skandal kote yo fè konnen Département d'État américain t'a mandé pressé pressé pour Léon Charles quitter pays États-Unis. Qui sa bagaille là est tout bon. Est-ce que c'est dans dossier assassinat président Jovenel Moïse? Est-ce que Léon Charles impliqué dans corruption dans détournement l'argent l'État? Eh bien, ou pral konnen qui sa bagaille là est tout bon. Puisque nous pral gagner pour nous font parler avec Stanley Lucas. Hier, c'était 22e mois assassinat président Jovenel Moïse. Nous prenons parler avec Stanley Lucas sous dossier, sous scandale corruption, ça, qui impliquait différents diplomates en deux dans la diplomatie haïtienne, non? Et sous différents autres dossiers qui a fait actualité. Vu que nous connaissons, et gouvernement, pouvoir, il y a préparé là pour faire élection, élection Champouel, pour mettre campéon CEP dans l'idée pour y'a l'agir adelante dans faire élection. Toutes les formations ça yo pral gagner yo mais faut que moi di nou dans la Tibonite gagner gros qui est cassé après population te remarqué gagner un hélicoptère qui à plusieurs reprises pendant une semaine yo ka passé 5 fois yo ka passé 5 jours et à plusieurs reprises sorti ti rivière passé lien cou pour yo passer sous sa vie question qu'a poser est-ce que c'est balle exam hélicoptère ça passé la qui ça hélicoptère a fait dans localité yon? Et l'autre information gagné qui a circulé qui fait quoi numéro 2 Balsavien n'a parlé de notre propre Litabwe Blobouchi. Toutes informations ça va comme pilote ou pral joindre dans vidéo sous pourquoi abonner m'a invité ou abonner là sous taxe 509 tout haïtien connecté ou dans émission mon éditorial avec Yannick abonnez activez la cloche notification et comme ça vous êtes connecté avec nous ou pas rater aucune vidéo n'a pas gagné pour poster bonjour tout le monde bonsoir tout dépend de qui le ou pral regarder vidéo avant même nous rentrer dans information il faut me rappeler projet fête des mères là projet à ce qui s'allier c'est pour fin mois là dans occasion fête des mères dernier dimanche dans mois et mais là n'a gagné pour nous fêter avec 100 femmes pour nous honorer 100 femmes 100 mamans qui toujours a braver danger qui toujours a prendre risque pour faire éducation petite pour porter pour porter la manger dans caille pour porter kichoy pour petit mouyou etc. et le peu que nous ka fait c'est encourager le peu que nous ka fait c'est montrer nous penser avec yo n'a penser pour yo donc ou même qui voulait supporter nous dans l'initiative là qui voulait supporter nous dans projet a pas hésiter reler écrire dit Yannick, mais comment on le fait, mais comment on a fait li. Et déjà, merci avec chaque ami qui décide pour yo aider, pour yo supporter. C'est pas quantité au bail qui est important, c'est geste qui compte. J'ai toujours dit, mais en pile, chai palou, bail petit, pas chiche. C'est pas bail même nan qui dit, qui choy. Mes amis, mon yo, information est tellement en pile. Mais, nous connaissons, yon grand moun nan m'a cherché depuis un bon bout de temps. Depuis 22 mois. M'ap cherché l'épée, m'a pas jamais qu'à joindre ni. M'a jamais qu'à joindre ni, m'a pas côté le passé. Si vous avez une petite information sur lui, pas hésiter à partager la avec moi. Ça arrive pour qu'on de qui est-ce m'a parlé. A même pas le permettre de qui est-ce m'a parlé. Parce que c'est nous pour aider. C'est nous pour aider. Moi-même, pas qu'à faire rien malgré. En plus, mon ap mandé côté le passé, côté mouché. Et j'ai intention de dire que j'ai mandé petit garçon li, mais. Je préfère quitter nous, regarder qui est, m'a parlé de lui. Hein. Et puis, sous elle, sous quoi, et mon chéa, wa, dis-moi, pour me prendre le côté de Noël là. On nous regarde qui est, m'a parlé de lui. Il pas arrêté plus à plus. Nous sommes fatigués de la forme d'un général. Nous, qui est? Non, pas.
1, 2, 3, 4. Je suis Maître Joseph Messin de Jean-Louis, magistrat de Carrière, le juge le plus ancien de la Cour de cassation de la République. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, formellement, constatant formellement. Suite à la résolution. Suite à la résolution. Suite. À la résolution. Je suis. Je suis. Un, deux, trois, quatre. Je suis Maître Joseph Messin de Jean-Louis, magistrat de Carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation de la République. Bon, là, nous est de qui est-ce que nous avons parlé? En vérité, nous est je m'appris. C'est parce que c'est la comique vraiment. Et ça veut dire, c'est pas menti, non? Juge qui était plus ancien dans la Cour de cassation, oui. Magistrat de Carrière, oui. Mais regarde comment on a fini avec Carrière, oui. Regarde comment on a fini avec statut, oui. Vous comprenez? Moi-même, je fais nous partager une vidéo avec nous. Partager une vidéo avec nous. Parce que, Aïza, hier soir, je tombe sous lit, il est tellement fermé. Je dis non, faut que moi je mette André Michel. Faut que moi je mette André Michel contre Messen Jean-Louis. Parce que c'est pas moi pour moi demander contre Messen. Quand on a 22 mois, il y a cherché le Powell, il disparaît sous radar là, il disparaît sous réseau. Côté mettre Messen, mettre André. Côté mettre Messen. Côté mettre Messen. C'est là pour comprendre. Dans mitan tout kachou boumbe nous yé là jounen jodi a. Côté que gain stabilité politique pays a fin craser kounye a nous tellement rivé loin avec pays a ouais ces populations qui lagué dans la rue a chercher ba tête li justice c'est parce que nèg tan kou André Michel moun tan kou André Michel avec allié Lyonnais SDP yo te chita yo te planifié pour yo mettre pays en côté li là pour craser pays a utiliser ouais mais Messen son moun yo utiliser li ma konsa yo te promettre grand moun non mais son moun yo utiliser on nous réfléchit 5 secondes. Imaginons 5 secondes si c'est André Michel qui était Jovenel Moïse. Pour André Michel ta président, pour Jovenel ta sot côté le sorti, pour président, pour ta vin di que li pral meton l'autre moun, li pral proclamer moun sa président. Pour André Michel ta gat Jovenel comme ça, qui André Michel? Nous André Michel gen caractère ça. André Michel ta gen tan fè mare ni Messen. Ni Jovenel Moïse, sous prétexte que y a vinn craser pays, y a vinn créer instabilité, y a besoin bal coup d'état, etc. Et c'est là nous pour comprendre que président Jovenel Moïse, qui a pile bagay qui passe sous pouvoir là, sous administration là, li banalise ou joue avec yo. Li joue avec yo parce que l'autre André Michel, yon est qui était aussi influent sous scène politique là, dans ça qui gen pour avec opposition. Qui prend mettre Messen Jean-Louis qui aller qui prépare discours yo fait vidéo côté a fait grand monde fait titato côté yo prend grand monde y a manipuler grand monde et puis pas aucune disposition qui prend pas aucune disposition qui prend côté que nèg yo a orchestré un coup d'état publiquement visiblement tout monde wel pas aucune disposition qui prend ou penser André Michel dans place Jovenel Moïse ta ba Jovenel chance ça jamais au grand jamais et c'est une des raisons n'a comprendre que journée jodi ça k'a passé là. Nèg SDP yo pour beaucoup, yo pour beaucoup. Oui, ok, sous administration Matéli, en pile l'argent gagoté, en pile les armes distribuées, ainsi de suite. Mais journée jodi an la, qui est-ce qui est au pouvoir? Qui est-ce qui est au timon des affaires? Et pour qui ça pas jamais kage aucune disposition qui prend pour freiner Vincent, pour fermer Vincent, fermer robinet? Pour qui ça l'État a pas fonctionné bien? Pour qui ça l'argent toujours a détourné? L'argent toujours des corruptions dans l'État? C'est pour montrer que toute parole, toute dilatoire, toute manigette que André Michel avec Ariel a fait, c'était bluff.
C'est des blocs frités, mais ils utilisent l'influence sur rien pour faire l'argent, pour prendre le pouvoir. En rien encore. Je ne veux dire là, mes amis Mounio, si nous voulons mettre mes scènes, demandez M. André Michel pour mes scènes, parce que même moi-même, je cherche à mettre mes scènes, pas mettre mes scènes. Ok? On nous continue. L'autre dossier. Et hier dimanche, on a mis qui partage un tweet avec moi, comme quoi, et ambassade américaine avec corps groupe, et y a fait menace, y a fait pression, à DG la police française LB pour faire retrait, et Chablende qui dans zone bicentenaire, dans parage, et mortissant dans notre village. Moi, je dis nous ça. Pas prendre intimidation, pas prendre dans diversion, pas prendre aucune forme de propagande. États-Unis, la Kaili, chaque étape gère sécurité, chaque étape gère affaire paio, dans zone paio. Canada a géré à faire parler. Chaque pays a géré à faire parler. Autant de corps groupe, chaque pays a qui c'est membre corps groupe, il a géré sécurité la caille par une façon par eux. Mouvement Bois Calien, c'est un mouvement populaire, c'est peuple qui te prend la rue. L'un t'a la rue, nous demandons corps groupe autorisation. Nous demandons ambassade américaine autorisation. Nous demandons Ariel autorisation. Non! C'est pour ça qu'un exemple va assumer responsabilité, ou qui fait peuple dans la rue. Journée aujourd'hui, qui ça nous constate? Même Ariel, même ministre et justice, Emily Prophète, même DG la police, on va comprendre ça qu'on fait là, on va comprendre le mouvement Bois Calien, c'est rété, et on va prendre chance vraiment pour rentrer là dans toute longueur, parce que yon connaît yon même pour te parler au parc clean. Et m'ba nous garantit, qu'a toujours une pression, menace, intimidation, à l'heure, ça l'y a. Déjà, Léon Chalte, qu'a toujours dit, la rappelé, la demande des policiers rentrer dans la base, etc. Mais, faut que nous voyons comment les policiers ont campé, tout sous bicentenaire. Faut que nous voyons comment les snipers et équipes ont campé. Yo dou, yo paré pour yo goumé, yo paré, yo tellement fait fixation sous ISO. Yo même allé loin, y a une information qui a circulé qui même faut quoi, ISO capable même ouais, et juin. Parce que, bon motivation, bon, on comprend, policiers motivés, population motivée, fixation, nous yon figé sous ISO, yon figé sous village. Qu'on yon apte de corps groupe, binu, etc. Parler. Ça, c'est, on comprend, ça yon de gwenyo, ça yon de gwenyo. Mais question sécurité en Haïti, question kwape bandi, chache bandi, c'est population qui décide. Nous pas mande nèg yo manchette, nous pas mande nèg yo gasoline, nous pas mande yo alimette, yo pas mande yo, yo mande yo rien. Yo pas mande yo caoutchouc rien pour Bois Calien. Bon, qui ça ou rien pour mettre des peuples là? Oui, faut population veille infiltration, faut qu'yo veille tout, faut qu'yo veille moun ka vinn entrer dans mouvement pour changer destination, pour changer cours et mouvement, mais à part de ça, à part de ça, on regarde, pas de aucune volonté vraiment. Si Ariel, corps, groupe, yo te vle, te gon bagay qui te fait, yo te vle mouvement campé, yo tapre toute disposition pour yo chercher bandi, yo traquer bandi yo. Le kon so tapre de gon paquet gros chef gang, soit qui blessé mortellement, soit qui on kote a réfléchi. Et deux options possibles. Mais entre temps, yo pas fait rien, ke yo bay moun tête, yo ke yo bay population, et tête, li pou moun yo regle affaire yo, jan yo pito. Je me dis non commencement émission non sodo dans moment là gagne disposition qui a prend pas bon côté population pour empêcher des séries de bandits qui sorti dans Port-au-Prince qui sorti dans Canaran qui sorti dans Onaville pour venir traquer pour venir rentrer la caïmoun pour venir prendre position venir monter groupe gang yo dans zone là parce que dans moment là c'est alerte rougie, c'est alerte rougie, et différentes communautés dans moment là, moun yo file manchette yo debout, yo met yo reti pour gazoline yo rien alimet yo paré, n'importe ça lié, de pour arriver dans une zone ou pas ka ba explication. La police interroge ou pas ka di koto soti, et bien moun yo tout paré pour yo ba ou Bois Calien. Mais ça qui vraiment dans moment et ap bay moun panique, c'est dans l'Artibonite. Dans département l'Artibonite et pendant week-end dans là, il y a plusieurs amis qui partage information ça avec moi côté que yon remarqué gen yon hélicoptère pendant plusieurs jours cap survolé depuis ti rivière la Tibonite passer lien cour et passer sous sa rien cap survolé gen moun ki même aller loin pour faire connait que et mercredi qui se passe qui était si me pas tromper 3 mai le nèg et grand griffio le nèg ça vient au théâtre à l'attaquer et moun chandel lui qui président chandel là c'est après hélicoptère ta fin passé et puis nèg gang griffio nèg ça vient ressorti yo vinn faire affrontement avec équipe président chandel là. Est-ce que c'est munitions yo pote, est-ce que c'est balle, est-ce que c'est armes yo pote pour nèg Xavier, est-ce que yo gen relation avec nèg Xavier yo, nous pas connaît. Ce qui est sûr, nous te vle partager information avec vous de manière à ce que plus moun au courant et autorité concernée yo alerté sous dossier hein, pour yo connait hélicoptère ça li lagué moun si rivière lagué moun ni en cour dans inquiétude parce que yo pas connait véritablement
Dans qui objectif hélicoptère a survolé et ti rivière Liancourt pour passer et sous ça vient ça extrêmement important. Gen information qui a circulé comme quoi et numéro 2 ça vient gang rifle ta tombé nèg ça qui pote nous notre plan. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce que c'est vrai? Il gen mon information tellement aller loin. Gros ami qui fait me connaît que c'est après le film bon Malta. Il était fait colère, semblerait il tension, il t'a monté, il fin bon Malta et puis il t'a mouri. Ce qui est juste, si nèg sa yo mouri. Si nèg sa yo mouri et yo t'a mouri comme ça. Au moins yon de mwes. Yon de mwes. Yon de mwes. Mais est-ce que ça a changé grand chose parce que nous connaît gang yo, toute gang qu'on y a hiérarchisé, gon numéro 1, on numéro 2, on numéro 3, on numéro 4, on numéro 5. Vous comprenez? Et c'est une des raisons là on parle de Boakale. Boakale ça que le petit soldat que le chef gang que le nèg qui a financé gang et mouvement doit viser mouvement doit plus large mouvement doit viser plus monde parce que c'est tout qui complice dans ça dans vivre journée aujourd'hui en dedans pays ça faut qu'on connaît les faut pas oublier dans dossier Léon Chol là parce que faut moi vienne sous lui nous pral faut parler avec Stanley Lucas partager information avec vous et côté que Stanley Lucas département d'état et côté que Léon Chol bien entendu département d'état t'a demandé pour t'a rappeler pour t'a tourner en dedans pays pour t'a vinn passer tol on va prendre est-ce que c'est dans dossier assassinat président Jovenel Moïse est-ce que c'est dans dossier corruption pas vraiment des détails qui baille mais ça doit connait soit pas doit jamais oublier Stanley Lucas et Léon Chol qui c'est ancien DG la police. Pendant Léon Chol, DG la police, yon assassiné un président. Pa yon ken pey nan mod la, kote te DG yon institution, ou te DG la police, yon tou yon président. Pendant la, et puis se promotion pou yon ba ou. Non, pa yon ken pey nan mod la, pou Léon Chol, jounen jodi, yon ta marche sou moun en liberté, d'où lycée ambassadeur ka représente Haïti. Jamais, ou grand jamais. Léon Chol ta pou kote, soit la préfléchi. Léon Chol tape à la disposition de la justice pour l'on juge instruction besoin d'elle, pour le haut commissaire gouvernement a besoin d'elle, il tape à la disposition de la justice pour les besoins de l'enquête. Jamais au grand jamais c'est pas promotion pour Léon Chol tape. Son honte et ça qui était honte derrière pour nous bon pays, on président mourir et c'est une des raisons. Là m'a parlé de Jovenel Moïse, toujours une série de monde et même dans la mort Jovenel, il y a toujours aïe Jovenel qui a dit on parlait de Jovenel trop et Jovenel était corrompu etc. Pas jamais dit Jovenel pas corrompu, pas jamais dit Jovenel son sang etc. Mais ça on doit connaître, ça on doit songer. Son président il a assassiné pendant DG Léon Chol, il était en fonction et je ne veux dire même Léon Chol ça c'est lui qui a représenté Haïti dans OEA. Qui ça nous manquons nous qui ça nous manquons nous on dans tête nous pas marché ou bien nous pas ouais en Haïti c'est impunité qu'a prenier nous pas ouais en Haïti tout coupable tout complice toute complice là c'est eux même qui piloter machine là c'est eux même qui piloter avion c'est eux même qui gagne manette là dans main yo nous pas comprendre nous pas ouais est-ce que on verra cité notre tweet là est-ce que Léon Chol là jouk a gagne pour venir là yo là pour retourner en Haïti Stanley Lucas avec lui nous pral profiter parler là-bas nous plus détails sous dossier si là j'aime te annoncer li et jodi an là nous pral font parler avec Stanley Lucas sous différents points qui est extrêmement important. Hier, fait exactement 22 mois et depuis Colombien, Haïtien, étranger, paquet nèg dans international l'ont mis ensemble pour assassiner président Jovenel Moïse. 22 mois après, c'est qui côté enquête là et qui côté dossier et malgré nous connaît et nèg a fait toute tentative, toute magouille, pile dilatoire fait pour casser feuille couvrir ça sous dossier mais dossier pas ca et fini comme ça, dossier pas qu'à fermer comme ça. Depuis nous là, n'a pas parlé sous dossier fort, toute information continue jusqu'à ce que l'union en fait soit assassiné président Jovenel Moïse. Mais on l'autre bord tout gagné et scandale qui éclate dans la diplomatie haïtienne non. Et nous connaît pendant un bon bout de temps Stanley Lucas qui était conseiller président Jovenel Moïse. Nous pral regarder ensemble et qui ça bail ça y est dans la diplomatie haïtienne non. Pour qui ça et haïtien en pile dirigeant haïtien toujours gagne un petit mani douette long, yo toujours impliqué dans grave scandale de corruption. Et bonjour Stanley, comment est bienvenue dans l'émission? Et moi salue Yannick, nous saluons toute équipe là ensemble auditeurs.
Stanley, et n'a quitté dossier assassinat président Jovenel Moïse et pour deuxième point parce que Sarah nous gagne pile parole pour nous parler sur dossier président et dans moment là un scandale qui éclate dans diplomatie haïtienne non côté que gagne ancien premier ministre et également ministre affaires étrangères Claude Joseph et qui impliqué gagne non et ancien ministre affaires étrangères également ambassadeur Haïti et dans Washington Edmond Boucher qui a cité tout c'est plusieurs millions de dollars américains qui volatilisaient qui disparaissent l'argent qui était ca utile payant qui était ca et utile pour aménager et plusieurs autres espaces. Vous comprenez qui était qu'à aider dans la question de diplomatie haïtienne. Non, mais l'argent, ça y est, il disparaît par les gens qui connaissent qui ça l'argent réglé. Et nous songeons, et dans ce qui est pour avec les gens, et que ce soit Edmond Boucher, que ce soit Claude Joseph, façon yo te nommé dans la diplomatie haïtienne, non, il pas passé devant le Parlement, paquet d'informations. Mais je ne dis pas Stanley Lucas. Et scandale ça qui éclate dans la diplomatie, qui ça le dit? Qui de ou fait de lui? Bon, et le président Jovenel Moïse, prêté serment le 7 février 2017, li vin joindre des problèmes systémiques et en dans la diplomatie haïtienne. Et par exemple, et près de 70% personnel qui travaille dans la diplomatie et pas de qualification pour occuper pour ça. Et l'idée essayer faire réforme yo que t'ai commencé d'ailleurs avec nomination des jeunes qui c'est effectivement ça yo étudier ou qui un diplôme pour ça pour travailler dans ça et réforme ça ou t'ai commencé. L'autre problème systémique que t'ai joindre par exemple et ça a demandé une loi parlement pour changer. Et par exemple, tout passeport haïtien qui est à l'étranger, son grand côté li fait. C'est, et quel que soit côté il y a, consulat côté il y a, li voye papier au bayo dans l'ambassade d'Haïti à Washington pour yo faire et passeport. Problème qui est au niveau administratif et systémique, section qui fait passeport dans l'ambassade là dépend du ministère de l'Intérieur. OK. Alors que l'ambassade là lui-même, il dépend du ministère des Affaires étrangères. L'ambassade là lui-même, il n'a pas autorité sous section immigration qui dépend du ministère de l'Intérieur qui est l'ambassade là. Et problème systémique, ça vient créer un autre problème administratif. Ça veut dire que l'on moun paye un passeport et l'État doit normalement aller sous un compte de l'État haïtien dans le pays d'Haïti. Et il y a les plutôt son compte de l'ambassade d'Haïti à Washington. Et même l'ambassade a li pa gen autorité et souvle sous compte ça directement c'est le ministère des Finances. Donc stand les bon font petit camp pour là. L'ordre il pa gen autorité, ça veut dire il pa ka passer l'ordre. Haïti comme ça et en général que vous collectez dans passeport a, et ces propriétés du ministère des Finances, c'est l'argent de taxes collectées que lié. Okay. Son seul ministère qui gagne autorité faire allocation taxes collectées, c'est le ministère des Finances. Okay. Donc son problème que non seulement qui existait depuis longtemps, mais que nous allons confronter dans le futur, c'est qui vient pour garantir que l'on moun paye un passeport là sous compte l'État haïtien directement en Haïti. Et mécanisme ça va exister journée aujourd'hui. Quant à vous scandale là, moi je connais que et deux anciens ministres des Affaires étrangères, ça a eu, depuis le président et Jovenel était là, il y a eu un problème entre eux. Il a dit que l'homme de ça, il n'y a pas de blé l'autre. Problème personnel. À un certain moment, il a essayé de créer un pont pour essayer de dialoguer, il a dialogué pour une semaine et puis il y a eu un compte entre eux. Donc moi-même, je dis franchement, des deux anciens ministres, c'est une raille, l'autre jusqu'au zoo. Donc, il y a, pour affaire scandale là, qui vous parlez de l'IA, moi-même, m'apprends un rapport, unité de lutte contre la corruption, il y a une capacité pour dire exactement qui s'est passé, qui j'en passé. Donc, à partir de rapport, moi-même, je vais le prononcer, moi. Ouais. Okay. Mais, ben, pour le moment, quand puis les spéculations, moi, qui a fait sur Internet là, et moi-même, plutôt un rapport, unité de lutte contre la corruption, qui a en détail, et si quelqu'un bagaille qui est-ce qui fait, qui j'en le fait, etc. Mais
et ministère affaires étrangères son ministère qui a des problèmes systémiques profonds et loi organique là doit changer et mais malheureusement parlementaire dans la législature de la 44e à la 50e législature pas une personne sérieusement qui penchait sur qui j'en résout problème ça mais on bail qui certain c'est que et Goumen qui te gagne deux ministres sur Radio Scoop semaine passée a qui fait Haïti sortir l'aide en fonction de et article journal Miami Herald écrit et donc là les journal là ils ont article comme ça sous deux anciens ministres affaires étrangères nous c'est tout haïtien qui saute l'aide là-dedans. Et République Dominicaine écrit un article tout sur le dossier. Ouais, bon, Dominicaine eux-mêmes, il faut pas oublier que une minorité 2% raciste Saint-Domingue dans classe politique là et c'est toute la journée à chercher bagaille pour faire haïtien sautelette. Donc nous-mêmes nous doit attendre nous à ça parce que minorité ça, les une société secrète que mais que le gain la caille qui les sociétés de la Guardia Nocturna. Et qu'un nèg politique, nèg nan presse là qui l'a dans objectif, c'est détruire mon pays d'Haïti. Donc, depuis que nous jouons, sous nous, pas prêts nous. Yeah, parce que là, il a tout profité, tapé ancien premier ministre. Oh, il a profité. Mais, c'est un nèg qui est important. Bon, c'est une question qui est importante, faut me poser. Si, non, premier temps, le pour passeport à fait, c'est le ministère intérieur qui contrôle ça, mais l'argent allait sous compte. Et ambassade Haïti dans Washington. Non, si nous suivons et déroulement étape, si l'argent a blanchi, si l'argent a détourné, donc l'argent ça, soit li détourné pendant que moun ki pral fè passeport et recevoir l'argent, yo pas fait dépôt sous l'argent, ou bien l'argent détourné leur rivé sous compte ambassade là, qui ou même principalement. Qui quoi toi ouais non qui bout ouais si t'as l'argent réellement qui t'a détourné n'a pas pour problème là li son problème systémique existé depuis nan niveau consulat côté mon allemand des passeports il gain de consul sans que l'état ministère finance DGI pas décidé ça gain de consul non c'est de pays qui décidé augmenter une série de frais qui pas autorisé son grain côté dans l'état qui autorise augmenter frais c'est le ministère des finances en fonction de consultation qu'il fait avec DGI donc là le consulat côté grain de consulat côté monal fait passeport consulat pour contre lui décider augmenter frais gain de les ministères pas même au courant bagaille ça pas ka fait donc un problème systémique dans question ça c'est qui gens pour ranger deuxième problème systémique qui gagne et moi crois que le président Jovenel t'a révoqué une ou deux consuls comme ça côté consulat mon al prend passeport il paye et puis consulat kembe koblan pa jambe voye fait passeport donc tu gen deux situations comme ça côté yo te automatiquement révoqué moun yo kou ya au niveau administratif nan ambassade là le yo voye passeport yo comment ça gérer m pa konnen ouais donc ba administratif ça on va rentrer là-dedans donc là c'est n'a suivre et diplomatie haïtienne dans son véritable marché à tous les niveaux et gon point de vente. L'offre fait passeport nèg ap brasé, l'offre vin prend passeport nèg ap brasé, nan ambassade l'argent mette nèg ap brasé. Donc à tous les coups, c'est l'état haïtien, c'est nous qui a perdu l'argent. Systémique qui existait, c'est pas seulement dans le ministère affaires étrangères, dans plusieurs ministères, même j'ai des réflexions avancées que me fait sur question ça, le président était là et qu'il y a plusieurs ministères qui ont un problème, c'est même genre avec affaires sociales, ça a passé depuis longtemps dans caisse d'assistance sociale dans ONA. Dans Fatma, chaque ministère gagne un soulevé et des problèmes systémiques qui facilitent la corruption là-dedans. Haïti que soit en affaires étrangères et nous t'as censé gagner à peu près 20 milliards à 32 milliards de réserves de coupes de gouttes dans l'argent de retraite des travailleurs dans l'ONA. Est-ce que l'ONA gagne 32 milliards aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 4 milliards seulement pour qui ça gagne? Combien moun kantre kal pran 100 millions 200 millions alors que yo pa di autorisation pour prendre comme ça yo c'est même bagay nan BM pad la et ça veut dire que Dimitri va rentrer il prend 197 millions de dollars américains gaz nan BM pad et puis li gon l'autre 132 millions de dollars américains là bon l'autre côté et puis personne pa ka manyen li et nèg y a prend comme nan BRH nan BNC même gens donc en dans l'état bon problème systémique sous question ça yo pour nous résoudre yo si nous pa résoudre yo pita pitris. Et nous allons finir avec chapitre diplomatie, oui. Mais Stanley, comment est-il possible que
Et selon dernier rapport que département d'État américain t'a metté dehors là qui concerne scandale ça, et c'est 5 ans moun t'a dû passer dans diplomatie pour pipiti. Comment ça se fait que gen yon moun et ou attendé qui là depuis 10 ans, gen moun qui là depuis dépassé 10 ans, moun sa yo gen même là d'ailleurs qui rive prend nationalité pays ou accrédité hein. Sous président département d'État département d'État pas voyer aucun rapport. Si bon monde qui dit département d'État pour un rapport, c'est menti. Son lettre que vous voyez par l'État haïtien. Et je dis l'État haïtien garder l'élément ça yo. Et il y a l'élément qu'on vous dit que yo mandé l'État haïtien garder et conseil de monde qui 22 ans, 25 ans dans même poste là. Et réalité ça li dû à influence ancien parlementaire yo. Par exemple, un ancien sénateur qui était président de la commission des affaires étrangères, près de moitié personnel dans la diplomatie, Eric Météo. Et d'après ça, on dit, mon sa, on voit moitié salaire tout dans Bali. Ouais. Alors, imaginez, il y a moitié dans la diplomatie, et puis chaque diplomate qu'il mettait, il bal moitié salaire, peut-être ça. Et je vous dis, il ne faut pas oublier que la diplomatie, nous avons à peu près 52 missions à l'étranger. Dans 52 missions que nous gagnons, personnel que nous avons gagnés, presque le double de ça l'IA. Et en même temps, tout, joindre des gens de qualité pour mettre dans la diplomatie, c'est pour un bail qui est facile. Il y a des gens qui ont un diplôme universitaire en sciences politiques, en diplomatie, en relations internationales, et qui ont un minimum pour bailler en tant que salaire, pour vivre bien, lui-même, ma famille, et la trier. Les diplomaties pays d'Haïti, non seulement ils ne sont pas payés, mais diplomate là qu'on passe 6 mois à l'étranger ministère à Babel. Okay. Faut moun payer loyer, faut voyer ti moun l'école, faut mettre manger sous table. Donc gon problème systémique qui existait en dans ministère affaires étrangères et gon mafia dans ministère qui existait depuis à peu près 25 30 ans depuis dans zone 91 92 yo. Et tout autant on va éclater mafia ça et ou pas arranger problème qui gagne dans ministère parce qu'il y a des moun puissants là-dedans. Et matin là, Stanley, moi je voyais une information et qui fait quoi que yo mandé l'État haïtien pressé pour rappeler Léon Chol pour le quitter OEA pour le rentrer en Haïti. Même pas au courant de ça, ça y moun k'ap fait spéculation. Yo dit qu'il y a à peu près 41 diplomates qui dans aux États-Unis, nous gain 6 consulats, deux missions, la mission et aux Nations Unies, la mission à l'OEA, et puis nous avons ambassade. Donc nous avons au total de 9 missions. Dans 9 missions, ça a eu 41 personnes qui ont plus de 20 ans en poste, plus de 15 ans en poste, qui ont demandé pour faire rotation. Parce que selon la diplomatie, vous doit faire 2 ou 3 rotations de 3 ans. Et 2 rotations de 3 ans, mais après ça, il faut que vous changez. Même si vous tournez peut-être 3 ans après, vous avez entre 15 et 25 ans, 30 ans en place. OK. Donc là, on pense que yo plus ou moins clair dans dossier scandale qui implique différents. Mais même regarder sur réseau, yo grand piste spéculation qu'a fait qui pas chita sur la réalité, pas aucun rapport américain ou voye ban nous son lettre que voye ban nous. OK. Donc là, moun yo clair. Et Stanley, il y a fait exactement 22 mois depuis yo assassiné président Jovenel Moïse. Et pas bon côté pas ou côté dossier, et comment ouais dossier pas avancé là? Et il y a deux documents que m'écrit sous ça avant me répondre nous que m'ta aimé jeune qui a fait recherche sur question ça sur crime transnational ça jeune qui en relation internationale jeune qui en sciences politiques jeune qui en sécurité nationale en droit criminologie premier article m'ta aimé regarder lire les rappels documentés sur l'assassinat du président Jovenel Moïse perpétré le 7 juillet 2021. M'a répété li pour jeunes qui voulaient chercher li. Rappel documenté sur l'assassinat du président Jovenel Moïse perpétré le 7 juillet 2021. Deuxième article, lire la justice en Haïti, les oligarques, les politiciens corrompus et la communauté internationale. La justice en Haïti, les oligarques, les politiciens corrompus et la communauté internationale. Tous deux articles ça yo, abjoignez sur www.tripotalakai.com. Donc pour répondre directement à la question pour là, et ça fait 22 mois effectivement que assassin yo touye 58e président pays Jovenel Moïse.
Donc là, au fin tout y est lié, assassin ont été pour rentrer dans le palais national pour pouvoir après coup d'état sanglant. Puis gros saisissement au bras le 7 juillet 2021, c'est peuple qui sorti dans la rue qui marie soldat Colombie qui touye président la caille. Même côté a assassin qui touye président, il est obligé à dans Maron, il pas de prendre pouvoir. C'est ça qui permet que malgré blocage du tapis fait, constat juge de paix a fait caille président. Et enquête de CPJ a été faite. Enquête commissaire Bedford Claude qui vient montrer comment Premier ministre Ariel Henry est impliqué dans tous les présidents. Et juge d'instruction et Gary Aurélien, à cause d'un audio New York Times vient publier, montrer clairement que et juge l'enjoint que Ariel est impliqué dans tous les présidents dans l'enquête. Li. Maintenant, audio a li dit que il n'y a pas de cas arrêté Ariel parce que ni la ville ni la vie famille ni menacée. Gen l'autre élément tout en conversation téléphonique qui est disponible sur YouTube entre commandant Palais et inspecteur général de la police Marie-Louise Gauthier. Côté Marie-Louise Gauthier dit commandant Palais dans la conversation téléphonique là, il recevra l'autre département d'État pour la touyer président. Commandant Palais a répondu, yo contacté tout mon courant. Et jusqu'à présent, FBI pour arrêter personne du département d'État qui est impliqué dans touyer président. Gen tweet John Joel Joseph là pendant 22 mois. Qui permettent nous venir avec les tout. Tweet li te fait 6 février 2021, qui toujours sous compte Twitter li. Côté li dit, recevoir l'autre département d'État pour venir touiller président. Audio Félix Badio Joseph te vin lagué. Côté le menace Ariel Henry. Lisez le bakafin pour la responsabilité ça pour tout li. Et que je ne jodi après y a sacrifié pour contre li. Ariel met prêt à vocal. Montre clairement que Ariel impliqué dans touiller président. Et ou vin gagne. Et en plus de ça, déclaration Vitel homme innocent qui explique comment il était en coordination avec le Premier ministre. Là. Avant le Premier ministre et après le tout le Premier ministre, et sous affaire tout le président, dans la réunion était confiée dans El Rancho, dans le Caribbean Center et avec le député Delma 75. Là. Donc, l'élément ça a vient montrer clairement qui est-ce qui tout le président de dans le pays. Là. Donc, le 9 juillet, la justice voit mandat. Pour Reginald Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Jerry Tadjé, Latrier, pour implication dans tout le président. Qui ça assassin au coup il fait, oligarque avec Ariel et politicien qui tout le président. Yo mette avocat personnel Ariel Henry, Berto Dossé. Et yo mette Berto Dossé tout, qui c'est avocat sous compagnie Dimitri Vob, le ministre de la Justice. Donc depuis les ça, pour ne pas bloquer la justice, yo va le nommer illégalement 6 personnes dans CSPJ. Il a mis illégalement 8 personnes dans le cours de cassation. Et le juge qui était sous dossier le président Jovenel, Chavan Etienne, qui est obligé de déporter tête li. Il va mettre le droit à un tribunal première instance. Et même juge qui sous dossier, Walter Ousser Voltaire, son ex qui sorti dans l'unité, Paul Denis Tenomène. Donc c'est infrastructure ça qui est mis au niveau institutionnel pour saboter, bloquer. Et enquête sur assassinat président. Malgré blocage, à 80%, nous connaissons qui est le président. Oligakyo, Dimitri Vov, Jean-Marie Vov, Reginald Boulos, et qui doit gagner l'autre oligak, parce que depuis l'assassinat, Eric Jean-Baptiste, là, nous doit Boussan, abcité comme vous, quel possible qui implique dans tout le président. L'autre oligak, en plus de Samy Andale Latrier, probablement. Nous voulons qu'on nous. Politiciens qui touye président Sénégalité yo et Ariel Henry, John Joel Joseph, Félix Badjo Joseph, tête PHTK, Michel Matelia Boufrel qui cochère bien impliqué dans touye président. Gen deux juges dans cour de cassation qui impliqué dans touye président, Yvickel da Brésil et Wendel Kok. Gen réseau docteur Sanon Kato, Sami Andale Latrier, gen Rodolphe Ja qui te konn jouer poker à Dimitri dans Mont Calvaire, Dimitri Vop. Et gagnent policiers qui ont infiltré dans USP, USGPN, 4 teams dans le palais national, et policiers qui ont infiltré dans le commandement la à police, là, et Marie-Louise Gauthier, et commandant chef là qui a une question pour lui répondre tout, et Léon Chat. Donc, et la justice est convoquée pour la répondre question déjà. Donc, ça, c'est en Haïti. Mais yo met un blocage institutionnel pour pas arriver mais mari ou assassin yo et mission que yo ba juge Walter Wessel Voltaire c'est mari ti petit carte yo mais tout gros autobré oligarque politicien qui touye président protégé nous vinn découvrir ça dans conversation que
et Walter ou c'est Voltaire te gagné avec Wendy Fell côté le tabou essayer orienter enquête là et montrer qui est-ce qu'elle voulait sacrifier depuis les ça nous découvrir politique qu'elle a fait et puis aux États-Unis sont l'autre dynamique mais c'est le grand procès mascarade qui devrait commencer jour demain 8 mai n'est obligé d'envoyer pour l'année prochaine parce que en fonction de conversations téléphoniques entre Marie-Louise Gauthier inspectrice générale là et commandant Palais qui dit qu'elle recevra l'autre département d'état l'autre la répondre que oui au contacté le tout FBI pour pouvoir arrêter personne département d'état qui est impliqué dans tout le président à numéro 1 numéro 2 et Yvick et Arcangel Pretel qui travaille pour FBI qui est impliqué dans tout le président parce qu'il travaille pour FBI depuis 2015 et monsieur et pas qu'à pour compte lui comme un FBI qui est impliqué dans tout le président qui contacte les gens dans FBI qui bat le feu vert pour la tout le président FBI pour quoi arrêter mon ça est-ce que FBI a à la fois jugé parti dans enquêté et soit assassinat président toujours dans question ça 22 milliards avocat 22 milliards avec avocat Intriago dit si on pas joindre feu vert et mon dans gouvernement américain on pas rentrer dans tout le président une enquête New York Times qui confirme ça jusqu'à présent yo pourquoi arrêter personne et Jean Noël crime dans vin fait et l'on prend déclaration ambassadrice américain et ancienne ambassadrice là Pamela White qui était déclaré devant Congrès américain le 12 mars 2021 4 mois avant retour président faut que yo mette le de côté pratiquement faut que yo élimine li gen tan gen non premier ministre pour remplacer président pa ka bay di là devant tout le monde FBI pour que jamais arrêter. Donc c'est un problème qu'il y a. Stanley. Donc dossier assassinat président li vin paraît complexe et par rapport avec toutes démarches ça yo qui gagne par bon côté États-Unis FBI pour casser faire couvrir ça monde qui t'a soi-disant impliqué au niveau du département d'État américain. Est-ce que justice président Jovenel Moïse, j'en ai regardé là, c'est pas ta injustice expéditive côté que non même quand bon bois caler peuple a commencé décider yo même chercher criminel yo et puis juger yo condamner yo même pour ça que t'est arrivé là. Bon, et dans cas ça, on fin garder ça qui passé aux États-Unis, côté nèg yo t'a pral commencer son mascarade demain et puis nèg yo obligé renvoyer pour l'année prochaine parce que mascarade là pas capable passer dans haïtien, on pas prendre la main yo. Et faut pas oublier tout que en plus d'ambassadrice américaine là, non audition que congressman et Christo a fait le 9 mars 2023 dans Congrès américain hein? Et m'pa konn si c'est pour le faire ou bien son information li qui t'échappé dans bouche li, li dit ça ta un bagage illégal pour les États-Unis al tout un président à l'étranger, li ta un bagage illégal pour les États-Unis payer 3 200 000 $ pour tout un président à l'étranger, li ta un bagage illégal pour les États-Unis servir un groupe mercenaire pour tout un président à l'étranger et puis monsieur fini pour le dire exactement c'est ça FBI fait. C'est comme si monsieur ta dit que FBI impliqué dans tout les président. Est-ce que c'est pour le faire, li la information comme ça ou bien c'est bouche li qui échappé? Mais on bail qui clair que ça qui tire président la caille nous c'est ça les deep state là aux États-Unis en fonction information qui sorti yo que nous gagne aujourd'hui a deep state là veut dire que sont ces deux monde qui gagne position dans FBI dans le département d'état et dans dire qui tire président mais il a fait sans président américain avec secrétaire d'état américain pas au courant. Donc je viens aujourd'hui à faut nous joindre qui gros monde ça aux États-Unis qui gagne pouvoir politique qui pas dans l'état américain qui impliqué dans tout le président la caille nous. Et par rapport avec situation ça qu'on y a en Haïti nous ouais comment dossier a traîné aux États-Unis nous ouais et qui manœuvre sur la toi Haïti c'est oligarque avec politiciens qui ont metté dans tête l'état Ariel Henry qui impliqué dans tous les présidents yo même son blocage institutionnel qui a fait oui. Ça va qui traîner là-dedans même disons dossier a bloqué par rapport avec situation mais mon Haïti soif yo soit justice pour président yo qui assassiné qui mouri. Donc nan moment là nous connaît bon mouvement bois calé dernière fois ou intervenu et avec dans émission on pas gagne temps poser question kounya ça ka passé à terre là par rapport avec dossier assassinat président Jovenel Moïse côté que en Haïti nèg yo décidé bloquer tout bagaille dossier pas marcher etc.
Est-ce que population haïtienne, est-ce que nous ca espérer une justice vraiment côté que une justice conventionnelle ou bien c'est peuple haïtien qui pour décider prendre destin en main et puis pour décider bail président en justice, comment on connaît ça qui arrive que ou pas aussi direct pour dire oui population bail en justice, comment on bagay là? Toujours ba bon bail au clair depuis 6 mois là avant me dédou nous t'a dans bois calé. Ou son me dédou ça? Yeah. Et exactement parce que bon bagay. Même Jean raison qui fait bois calé a créé pour ça bois calé a créé et gon document que m'écrit sous ça jeune yo gen wa chichel li rele et son internet là sous Google ou bien sous Yahoo cal chichel li rele les origines du mouvement haïtien bois calé parce que li ka chichel pour les origines du mouvement haïtien bois calé parce que li ka pour ça bois calé a créé et pour trois raisons bois calé a créé parce que peuple a subi pendant 5 ans atrocité crime et peuple a subi kadeja, kidnapping, violence, vol, gang yo pendant 5 ans. La première raison. Yeah. Deuxième raison qui fait Boakale arriver créer. C'est parce que peuple a gardé les la police arrête on gang, gen des fois la police arrête même gang nan plusieurs fois non mois, juge l'an touché plusieurs fois la gang nan. Et puis gang nan fait crime encore. Troisième raison qui fait peuple a fait Boakale et parce qu'il l'a gardé, li wè premier ministre nan touye président nan gang, ministre de l'intérieur nan gang, ministre de la justice nan trafic zame nan gang, ministre secrétaire d'état, secrétaire général balai national nan gang. Donc les peuple a gardé wè l'état nan gang, pa gen personne ka pral protéger, c'est pour ça peuple a calé Boakale et fait Boakale. C'est même genre dans justice pour président Jovenel Moïse là. Ça assassin qui nan tête l'état qui pa appelé la justice avancer pour marrer moun qui touye président. Et peuple pas qu'à laver mais si à terre ça ça veut dire si ou même comme peuple ou aller dans élection deux fois ou choisir un président et puis nèg yo touye président comme ça et puis assassin a marcher dans figure nous comme ça si nous pas marre assassin qui touye président peuple pas même besoin à voter dans prochaine élection a dit que si prochain président 59e président qui sorti dans élection et décider le travail pour peuple là même Jean Jovenel nèg yo pas tuer même Jean. Donc je ne veux dire, nous pas aucune autre option, même si on a un bois calé pour gang yo, que les peuples pas obligé créer un bois calé pour assassin tout le président. Le criminel yo. C'est ça. Ou favorable avec mouvement bois calé ou d'accord mouvement. Depuis nous isoler danger yo, pas gain problème que bois calé a tout nos opportunités que nous augmenter de 500%. Va m'expliquer ça me le dire. Dans bois calé a gain 3 ou 4 dangers pour nous isoler. Premier danger à Dominique, un cabinet infiltré avec oligarque pour l'attaque, un consulat ou ambassade et puis faire occupation militaire ou bien parler nous mal à travers le monde. Faut nous veiller ça en tant que peuple. De pour un monde qui font bail comme ça, Marie. C'est travail Dominique à oligarque qui a fait. Deuxième danger qu'il gagne, nous tous connaissons qu'il faut aller, mais il va pas aller pas comme si malandrin qui le fait coup d'État. Il dit, nous connaissons que Madame Aniga a fait coup d'État avec HCT pour remplacer Ariel. Nous connaissons Fridjian avec Montana, ils font coup d'État et pour mettre Montana, et puis Aristide besoin faire coup d'État, ça a public pour le prendre pouvoir. Trois coups d'État, ça n'est pas bon, nous ne pas devons quitter mon infiltré Boakale pour venir faire coup d'État. Okay. Et troisième danger qui est dans Boakale, c'est que y a des règlements de compte ou dommages collatéraux. Vous ne pouvez pas compter au monde dans l'arrière, vous dites bandit, gang, 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 et vous faites tout. Et vous, ça faut vérifier. Bonjour information souvler fait travail Boakale ou li a sou ka isolé danger sa yo Boakale a doué opérer 500% plus que Jean la opéré après ça me dit 500% plus jusqu'à présent depuis Boakale a commencé c'est ti makakyo c'est ti laplio c'est ti zoyo kate a sécurité a pour Boakale a réussi faut Boakale a moyen tout étage en sécurité a premier étage là pendant m'a parlé avec ou là c'est vrai gen gang yo. Mm-hmm. C'est lui qui boit calé à main goulia depuis 26 avril dans canapé vert. Journée aujourd'hui a faut boit calé à monter dans deuxième étage là. Dans deuxième étage insécurité a ou gain officiel qui dans gouvernement, ou gain leader politique yo, ou gain juge, ou gain pasteur qui gain dans l'église, ou gain ancien parlementaire, ou gain trois journalistes à des trois droits humains qui protéger qui dans gang. Okay. Troisième étage et Boakale a doué moyen insécurité a et ca insécurité a trois étages dans troisième étage là pour gain oligarque Pétionville qui dans gang yo Boulos Vob Bossan et Latrier mais on gain trois anciens présidents tout qui dans gang
Matéli privé avec Aristide. Faut boire calé à main tout les trois étages. Jusqu'à présent, il est premier étage là, le campé. Et jusqu'à présent, vraiment, il était dans le premier étage. Et d'après vous-même, comment vous avez agencé le mouvement Boakale là pour le Kembe et pour le mouvement arriver à le résultat que nous escomptons? Et premier bagage là, en Koulia et fin mois de décembre, faut peuple a un agenda d'opération. Okay. Et dans le cas d'agenda d'opération, ça ou gen date qu'on va choisir. Par exemple, 18 mai, a gen don date côté Boakale, a va dans la ria, tout pas trop chercher gang. Et ou gen doit choisir plusieurs dates, et deux dates par mois, côté peuple a décidé. Par exemple, dans le mois de mai, a gen deux dates, 18 mai avec peut-être 30 mai. Dans le mois de juin, ou choisit deux dates, juillet, août, et avec objectif là, mois de décembre, nous devons nettoyer tous les trois étages Boakale pour que 1er janvier 2024, nous n'avons pas gang dans le pays encore. La première bagaille là, donc faut organiser pour aller à Kati par Kati. Donc faut qu'on structure organisationnelle là-dedans. Maintenant, une fois qu'on a une structure organisationnelle, ça sans pas besoin d'un leader, nous avons dit, prochaine fois pour aller à 18 mai qu'elle va aller. Et nous demandons à la police accompagner nous dans le village de Dieu. Après ça, prochaine date là, nous demandons à la police accompagner nous dans le Canada. Ou bien dans Delma 2, côté gang G9. Chaque côté gang gang yo choisit date pour yo. Et ou pral la police. Pendant que vous faites opération ça yo, dans date bien déterminée ça yo, ou dit tout Boakale dans la province yo, même j'ai été fait dans Grandes là, veille nek kabese sauver dans bateau ou bien dans camion. Et ou mettez des bagages de contrôle pour assurer pas gen gang kap déplace à zam, à balle pour l'autre côté. Et faut pas oublier que nèg yo gon nouveau stratégie kou li a yo servi à grand moun avec femme pour porter zame et pour porter bal non série de zone bay. Donc jounen jodi a soumet des structures ça en place organisé et puis deux fois par mois et pour gen doit faire des bagages surprise tout. Mais enfin année a fini ou a démonter toute gang yo à Boakale. Mais Boakale a augmenté de 500%, il pas arrêté dans premier étage là, faut le monter dans deuxième et dans troisième étage car insécurité a. Parce que si pas de gain gros macaque, pas de petit macaque la boule. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vraiment mais ça. Si pas de gain gros bandit, pas de petit bandit ça yo. Et semble gros dossier qui a fait débat là sur réseau. Parce que gain quelques journalistes qui prend position qui fait qu'on est que dans moment là puisque il y a des gangs rivaux nèg qui n'a problème avec nèg dans rouge neuf j'ai peuple donc si la police pral mener une opération non base gang il t'a supposé utiliser journaliste même tout qu'a fait débat sur ça qui la police t'a supposé ou bien la police t'a doué utiliser l'autre groupe gang rival là pour aller porter bourré ou même qui position dans leur base ça. Nèg kabese fè différence entre gang, pa gen différence. Tout gang c'est gang, tout gang nan tue moun, tout gang nan ka deja, tout gang nan fè crime sou peuple la, tout gang yo nan atrocité. Donc nèg ka vin avec discours ça, c'est pour essayer diviser peuple la, pour essayer diviser éclater Boakale a. Pa okipe. Mais tout c'est moun ki gen intérêt nan gang yo tout. Mais c'est ça même oui. Il y a 3 ou 4 journalistes que nous connaissons qui nan gang, avec que soit sur YouTube ou aller chercher journaliste qui t'a dit li pare pour ba gang yo zam pour mettre des armes sur monde. Conseil des journalistes gen même on radio clairement qui nan gang. Donc jounen jodi a faut pas étonner que discours Ariel là avec 2-3 journalistes qui nan gang, c'est même discours avec oligarque yo pour garder qui gens pour craser mouvement Boakale a. Boakale a pas gen camp politique. Nèg la nan PHTK, li nan gang Kaseren. Nèg la nan Lavalas, li nan gang Kaseren. Li nan Unité, li nan gang Kaseren. Nan quel que soit côté li a son oligak ki nan gang Kaseren. Et si son jovenelis? Bon, et même pa ou courant gen jovenelis ki nan gang, mais de pou jwenn youn ki nan gang tout bon Kaseren lui. Stanley Lucas, le mot de la fin, c'est qui ça lié? Bon, même position très claire. Et président Jovenel Moïse était clair. Nous sommes songe les présidents pour faire opération village de Dieu pour écraser gang Isoa. Te gen deux moun qui étaient camp en face, c'était Pierre Espérance avec Dimitri Vop. Okay. Et finalement les opérations fin fait et puis gang nan tué policier, nous vinn apprendre qui commissaire de police qui était bay Dimitri Vop information sur qui j'ai opération t'a pral fait et il t'a voyé information ça bay Iso 5 secondes qui fait 5 policiers mourir.
Donc, je vous dis, allez, on a fait bois calé, à fond, pas oublier que dans la police, là, on a un réseau criminel qui est formé de policiers de Fantôme 509 qui prennent l'autre nom de Dimitri Vob et qui a collaboré à gang. Donc, nous-mêmes, nous voulons bois calé à réussir nos associations saines qui existaient entre la police et le peuple, pour qu'avant l'année a fini, trentaine de gangs qui existaient, eh bien, nous nettoyons toute base. Yo. Et moi-même, l'aime de garder dans Salvador, Salvador touye 4500 gangs, li mette à peu près 41 000 en bas code, yo met en prison spéciale pour yo. Dans le cas pas nous, nous avons touye 3 000, et y a à peu près 7 000 nous allons mettre en bas code, nous ne pouvons pas mettre en prison normale, faut mettre en prison spéciale pour yo dans plein de là. Et sous mettre en prison normale, y a sauvé. Ouais. Et dans la justice en Salvador, y a été révoqué 80% de juges qui étaient dans la corruption et dans la gang. Nous-mêmes, nous avons à peu près la même quantité de juges qui ont corruption et qui ont gang. Goumen contre gang, Boakale, travail à la police très important, mais en même temps, tout nettoyage, pouvoir judiciaire très important pour avancer dans la lutte contre gang. Merci Stanley, merci pour l'échange que vous avez là. C'est sûr que moun yo apprend en pile, yo continue à apprendre et avec vous, et sous problème paysan, sous différents bagages qui ont dominé l'actualité, ça est extrêmement important. Et déjà, je vous passe une très bonne journée. Merci pour la disponibilité. C'est moi pour remercier Yannick et patriotisme, travail qu'on fait là sous Chanel ça pour éducation politique la jeunesse, travail ça important et ou même qui jeune qui sont tant d'analyse ça yo, sous pas l'école ou pas faire analyse ça yo et dans 21e siècle comme jeune pour réussir dans quel que soit côté il faut qu'on connaissance dans tête tout, barricade pas avec nous, c'est connaissance qui dans tête nous qui avec nous. Bon Dieu ben nous qu'embé là Yannick. Merci en pile. Bye bye. Avec nous, c'était Stanley Lucas. Nous sommes parlés sur le problème pays, nous sommes parlés sur différents et points dans le moment là qui a fait actualité, qui est au centre des débats. Il est extrêmement important pour toujours être connecté, pour qu'on ait qui évolution, qui décision. Et tout là, les nègres ont fait diversion, propagande, pour qu'on ait exactement qui ça bagaille là. Et nous, y venons à Carrefour là, à côté que pouvoir y aller à Lyon bon, peuple là en l'autre bon. Ariel là avec gouvernement là sous route pour y atteindre objectif pa yo et peuple là n'a continuer consolider force nous, n'a continuer mettre tête ensemble. N'a continuer faire faisceau pour nous atteindre objectif pa nous. Objectif pa population, pa peuple c'est qui s'allier, c'est rive rétablir sécurité en dedans pays, rive mettre campé institution républicaine yo, chasser en dedans l'état tout criminel, tout corrompu, tout négat cravate bandi à cravate cap supporter négat sapatio cap supporter bandi piater yo pour nous effacer moun sa yo en dedans système nan et du même coup craser système baiser souci un système impérialiste système côté que des pour maléré ou style maléré ou mouri maléré système côté que des pour en bas net l'un système côté que nèg la rentré à des pour boudal en dedans institution l'état en dedans pouvoir et puis sorti millionnaire li sorti avec un paquet de cailloux au Canada, un paquet de cailloux aux États-Unis. Côté nèg la fin craser qu'est-ce l'état a fait détournement dans corruption, c'est jamais eux même, c'est jamais eux pas jamais impliqué, c'est grave accusation, c'est parce que eux pas aimé, c'est problème personnel etc. etc. Et bien journée aujourd'hui là pendant que chaque monde fixe objectif par eux, bien nous-mêmes comme haïtiens, nous-mêmes comme peuple conscient, comme peuple souverain, nous apprendre qu'on est qui ça objectif nous et nous décider pour une fois mettre tête nous ensemble pour nous objectif nous fixer nous. C'est un véritable plaisir pour me avec aujourd'hui dans l'émission pour me porter information ça pour vous dans l'idée pour être connecté dans l'idée pour former ou informer bien et m'braler mais faut me rappeler projet et projet fête des Merlans projet pour nous supporter sans forme dans l'occasion fête des Merlans pour dernier dimanche dans mois et dans mois meilleur. Et gen zami qui écrit, qui relève, qui dit ani combien pour me comment pour me faire combien pour me bail etc. Moi même pas dit combien pour mon bail, OK? C'est volonté ou c'est bonne volonté gagner pour aider avec so gagnant le peu que gagnant, jon ka fè lan, jon vle fè lan, c'est a toujours un grand plaisir parce que chaque initiative mette campé, chaque projet qui prend, c'est ensemble nous toujours faire, c'est ou même qui toujours faire un plaisir pour supporter pour aider. Donc on connaît l'offre, on fait avec un pile l'amour, fait avec
avec un pile cœur content. Donc, maintenant, nous, pas de problème, pas de danger. Aga moun ki rele m'a dit, je aujourd'hui soir, pas de problème. N'importe le al, disponible, bon. Donc, faut que nous fassions ensemble, mais ensemble, mais en pile chay palou, tête ensemble, coller les épaules pour nous permettre à ce que le projet a l'irréalisé. Pour nous supporter sans femme ça yo, sans maman ça yo, pour occasion fête de Merlan. Rendez-vous en cassé demain pour une autre émission. Sous pourquoi abonner, rappelez-vous ça. Faut qu'on abonne, songez à activer la cloche notification et qu'on soit prêt à connecter avec nous. Ou pas prêter aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien, on agit. Désespoir, de machination politique et l'ennui. Mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paul là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle épée, nous bras le fait débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix. On y est.